Bonjour Lionel, c'est Jean-Pierre. Donc je voulais te dire que j'accepte finalement l'idée de faire un film. Je comprends toutes tes critiques sur le cinéma africain et j'adhère totalement. Je crois que effectivement, il faudrait sortir un peu des sujets classiques. Mais surtout, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le sujet vraiment qui m'intéresse, c'est peut-être pas Majorana, c'est pas Ettore Majorana, mais c'est Lionel Manga qui s'intéresse lui à Ettore Majorana. Je crois que un film avec une double dimension comme ça, une mise en abîme comme ça est plus intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'intéresses à Ettore Majorana? Et donc, dans ce sens-là, on va essayer de voir comment ce film-là, on le ferait avec le concept de Mining for Mind. Donc, je viendrai donc te voir pour que tu me racontes un peu cette histoire d'Ettore Majorana. J'ai l'impression désastreuse, peut-être je ne crois pas, mais ça me fait l'effet que c'est tout le temps la même chose, quoi. Ça brode, ça brode, ça brode, ça brode, ça va, ça revient. Mais c'est tout le temps la même chose. Là, je commence beaucoup à m'ennuyer au cinéma. Et puis, ouais, puis d'avoir cette histoire, depuis les blockbusters d'Hollywood avec pas d'effets spéciaux, là, on y croit 5 minutes, hein, et puis on commence à y croire avec le temps de la crédibilité. On ne la suspend pas longtemps la crédibilité dans ces cas-là. Mais alors, à propos des effets spéciaux, y a-t-il plus grand effet spécial que le 11 septembre 2001 Deux ados qui percutent les Twin Towers à New York, il n'y a pas d'effet spécial qui soit plus majestueux que celui-là. Impossible. Donc à partir de là, je me demande s'il n'est pas nécessaire de repenser le cinéma exactement de la même manière que l'on met des temps. Bertolt Brecht et quelques autres ont pensé que, ah oui, après une montagne de cadavres comme ça là, la poésie a quand même quelques mal à exister et à continuer. Est-ce que le cinéma ne doit pas se repenser après un moment comme celui-là, après cette singularité que furent ces attentats-là? C'est une conviction personnelle que j'ai. Nous sommes venus au monde d'une cosmogonie africaine chez les gourmands du Togo là-bas, là. On est venus au monde pour s'exprimer. Et autant que faire se peut, de la manière la plus improbable possible. Parce que c'est seulement à partir de cet instant-là que quelque chose est dit. Parce qu'il y a tout ce qui est là, tout ce qui sort. Et donc, s'exprimer avec le cinéma, arriver à dire quelque chose, passe aussi par un moment de révision, de repenser. Le cinéma africain, pendant longtemps, est resté enfermé dans des clichés. La dot. Le rapport entre les hommes et les femmes, et que sais-je encore. Total, on pourrait presque penser que ce n'est pas la peine de faire de la fiction en Afrique, parce que la réalité est autrement plus forte. Donc, seulement pour les hommes, en 98, à Yaoundé, dans l'ancienne ferroviaire de la région de Perkan, deux wagons citernes se renversent, plein de carburant, 50 ml de super chacun. Tout le voisinage s'est rué sur les citernes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il advienne? Ah ben, boum! Les citernes ont explosé. Bilan officiel, on va dire 300 morts. On a eu largement plus. Y a-t-il plus grosse fiction que cette réalité-là? Faire la fiction pour la réalité, pour dépasser la fiction, ça devient problématique. Et donc, pour ma part, j'ai besoin qu'on réfléchisse sur qu'est-ce que c'est que faire un film au 21e siècle? Et en plus, quand on est africain, qu'est-ce que c'est que faire un film? On me dira, oui, ça veut dire quoi un cinéaste africain? On me dit, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain africain? On est écrivain tout court ou cinéaste tout court? Sauf que tout court, c'est pas un pays. Bon. Donc, si je suis africain, si je fais un film et que je sais qu'il y a le 11 septembre, pourquoi est-ce que je vais aller faire des effets spéciaux? Parce que la réalité elle-même m'a montré qu'elle est capable de tomber des effets spéciaux. Je prends cette réflexion-là, il est temps que les cinéastes africains l'aient. Je crois que c'est la seule manière pour eux de renouveler le cinéma, pas seulement en Afrique, mais de renouveler le cinéma dans le monde également. Parce que les effets spéciaux, les trucages, les montages, etc., tous ces artifices-là, c'est vrai que le cinéma est une industrie du rêve, mais souvent la réalité, elle est aussi onirique qu'un film.
et peut-être parfois aussi plus cauchemardesque qu'un film. Et puis les paranormales activités, etc., sont plus cauchemardesques que ce que l'Africain vit. On peut trouver dans les salles de cinéma, mais aller dehors dans la rue de la Wayaoundé, on peut trouver mille fois plus encore. C'est ça que je parle. Ah ben le paranormal africain, il existe. Il existe. Que de fois nous a-t-on pas raconté que, oui, on a vu une petite vieille qui est descendue de son avion. L'avion, c'est quoi dans ces cas-là? C'est une boîte de chaussures ou une boîte de sardines? Bien donc. De même aussi, un petit mythe qui raconte que, mais oui, mais le Concorde, ils sont fabriqués là, même tous leurs fusées là. Ils sont d'abord venus voir des petits vieux qui auront tout expliqué. Alors, tous ces mythes que l'Africain s'invente dans le mode paranormal, est-ce que ce sont des mythes pour compenser par rapport à une situation existentielle qui est autrement catastrophique? Ou alors, est-ce que c'est pour véritablement rendre compte d'une réalité qui nous échappe encore à nous, les êtres tout à fait rationnels, et qui serait certainement en place à un endroit, dans une dimension, je ne sais pas trop. Mais il se trouve que les Africains vivent extrêmement dans le paranormal. Et ce paranormal-là, il n'a pas forcément besoin qu'on parle de sorcellerie, parce que même au quotidien, on est tellement on the edge, sur le fil, au mur, que beaucoup de, on va dire, d'interactions sociales au quotidien ressemblent effectivement à des relations paranormales. Le moindre Pékin là-dehors, quand tu arrives devant lui, il te regarde, il fait clac, 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 il te scanne immédiatement, et à partir de là, il entend avec toi un rapport qui est un rapport fondé sur la perception qu'il aura de ce qu'il a compris à sa manière à lui. C'est ça le paranormal africain, d'une certaine manière, avant qu'on en arrive aux questions de sorcellerie, etc., mystérieuse, de nuit, etc. Il y a un jeune Camerounais qui vient de faire un bouquin, ceux qui sortent la nuit sur la sorcellerie, à propos de sorcellerie, il a d'ailleurs eu le prix Amadou Kourouma. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais je suis à peu près certain que beaucoup de Camerounais seront intéressés de voir qu'est-ce que la littérature peut dire du paranormal ou de la sorcellerie. Mais le paranormal, c'est-à-dire qu'il est là, il est autour de nous, parce que les gens vivent dos au mur, on the edge, sur le fil, et il a coupé. On est comme des gens suspendus au-dessus d'un camion et marchant sur un fil. On essaie de ne pas couper. En train d'osciller d'un bord à l'autre, en essayant de ne pas se casser la gueule. Voilà notre paranormal à nous. Ce paranormal-là, on peut le filmer. On n'a pas besoin d'effets spéciaux pour ça. La physique quantique s'occupe d'inconsistance. La physique quantique s'occupe d'échelles et de dimensions qui ne sont pas de l'ordre du palpable. Ce râteau, par exemple, n'a rien à voir avec la mécanique quantique. Ça, c'est la mécanique classique de Newton, basique, classique. Du moment où les physiciens parlent d'inconsistance dans une réalité comme la nôtre, qui est plastique, j'ai tendance à vouloir rapprocher les deux parce que la sorcellerie dont on nous parle aujourd'hui opère aussi dans des univers, on va dire, pour être obscurs. Comment expliquer autrement que par la capacité à manipuler l'inconsistance, le fait que des gens puissent passer d'une forme à une autre, sortir de tel corps pour entrer dans tel autre corps? Est-ce qu'ils se démolécularisent en mâton un verre, en l'occurrence? Est-ce qu'ils ne se démolécularisent pas? Comment font-ils? Comment procèdent-ils? De quoi relève cette connaissance-là? Je ne prétends pas que les physiciens quantiques nous introduiront un jour dans la mécanique, dans la sorcellerie, ou que les sorciers nous introduiront dans la physique quantique, mais peut-être que le rapprochement entre les deux peut nous amener à comprendre mieux ces phénomènes lexi-sorcellerie et qui sont prégnants. Pendant longtemps, au début des années 60-70, etc., à l'époque où on parlait de décollage économique, beaucoup de jeunes quittaient les villages en disant « il fut la sorcellerie ». On en parle un petit peu moins, mais il arrive encore aujourd'hui qu'on évoque. Tout à l'heure, tantôt, j'évoquais ces vieilles femmes qu'on dit descendre d'un avion qui serait une boîte de chaussures. Donc, le phénomène existe, mais là, le phénomène en tant que parler existe. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que je vous dis? Je pense que c'est pour ça, pour moi, qu'il est important de s'approcher de la physique quantique, de cette physique qui étudie l'inconsistance. L'inconsistance, ce qui n'est pas encore devenu dur, solide, des espaces insondables. Aujourd'hui, on n'a plus le vertige. C'est vrai, ça fiche quand même le vertige de penser 10 puissance moins 35 ou alors des grandeurs autrement colossales. Mais je suppose que si Pascal revenait parmi nous, il s'apercevrait que toutes ces dimensions sont de plus en plus maîtrisées. Un engin comme le LHC, Large Hadron Collider, le plus grand accélérateur jamais pensé par l'humanité, c'est pour des peines, là, je veux dire, à l'époque de Pascal, personne ne l'aurait imaginé, mais elle existe. Pour explorer les profondeurs abyssales de l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Génial! Génial!
Maintenant, est-ce que la physique va arriver pour de près à réconcilier la relativité, restreinte, la physique, tout, dans tout possible? Peut-être, peut-être. Il y a encore du chemin, disent les physiciens. Il y a encore beaucoup de chemin avant d'en arriver là. En attendant, je travaille sur une friche. Établir un rapprochement entre le paranormal africain et la mécanique quantique n'est pas aussi abscons qu'on pourrait le penser à première vue, puisqu'il s'agit de dimensions hors d'une réalité ordinaire. Sœur Everett, Hugues Everett, c'est pas Rupert, Hugues Everett parle bien de ces multivers, la théorie des cordes parle de dimensions qui sont enroulées les unes dans les autres, et celle dans laquelle nous nous trouvons est celle qui est advenue. De là à se figurer que nos sorciers, nos experts en paranormal, au sens le plus courant, fonctionnent sur des dimensions ou dans des dimensions, je ne dirais pas propres à la mécanique quantique, mais dont le fonctionnement ou dont la phénoménologie s'apparenterait à la mécanique quantique, il n'y a peut-être qu'un pas. Qu'on m'explique qu'un oncle du village se trouve, par exemple, à Ebolova. Je sais qu'il est à Ebolova, et puis moi je suis pilote, et puis je le retrouve dans ma chambre d'hôtel à Paris. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment est-il arrivé là? Je me pose la question. On m'a raconté des histoires comme ça. Un beau-frère qui n'existe pas, ou qui est mort aujourd'hui, qu'il aurait vu dans une de ses chambres à Paris, un oncle à lui qui pensait au village, et qui lui a suggéré d'arrêter de piloter. Voilà comment il a arrêté de piloter. Bon, vrai ou faux, toujours est-il que, oui, pour moi, ça vaut le coup de s'intéresser à ces aspects-là de la réalité. Là, comment est-il arrivé là? Je me pose la question. On m'a raconté des histoires comme ça. Un beau-frère qui n'existe pas, qui est mort aujourd'hui, qu'il aurait vu dans une de ses chambres à Paris, un oncle à lui qui pensait au village et qui lui a suggéré d'arrêter de piloter. Voilà comment il a arrêté de piloter. Bon, vrai ou faux, toujours est-il que, oui, pour moi, ça vaut le coup de s'intéresser à ces aspects-là de la réalité. Que récemment, on a découvert les fameuses oscillations qu'Einstein avait prédites et qui font que de plus en plus le modèle standard se confirme. Mais en même temps, on n'a pas fini de savoir qu'est-ce que les expériences menées à Genève, au CERN en tout cas, vont nous donner. Quand elles seront terminées, peut-être qu'on sera dans une nouvelle physique. Ne serait-ce que parce que de plus en plus, la théorie des cordes semble prendre forme. Et puis, il y en a quelques-uns, Gabriele Bediano, théoricien de la gravitation quantique, qui suggère donc cette hypothèse granulaire de l'espace-temps, du temps et de l'espace comme des grains. Des grains de temps, des grains d'espace. J'aime beaucoup toutes ces notions-là, parce qu'elles font rêver, quoi. Elles emportent l'imagination absolument loin. Et ça peut devenir aussi des paradigmes pour comprendre le fonctionnement du monde réel. Après tout, aujourd'hui, au point où on a une histoire de la planète, nous sommes quelque part comme dans un début de quelque chose. Et moi, s'agissant de début, il n'y a pas meilleur début que le début de l'univers. Hein? Ce moment, cette singularité-là, avec une énergie infinie, une densité infinie, etc. Un point plus petit que n'importe quoi d'autre par où l'univers a commencé. Ça me sert de paradigme, de modèle un petit peu. Concentrer ces énergies à notre échelle, à nous bien entendu, toute proportion gardée. Mais c'est pour ça que je m'intéresse à cette partie de la science et de la connaissance. Je crois qu'elle est porteuse de pas mal de lumière, on va dire. Ce n'est pas forcément les lumières d'avant, mais elle permet de comprendre quelque chose à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire,
passe? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, le découplage de l'urée de la matière, 300 000 ans après le Big Bang, c'est fantastique. Imaginez que pendant un moment, la lumière et la matière ont voyagé ensemble, et puis à un autre moment, la lumière est partie, elle a continué son voyage dans l'espace, dans l'univers, et la matière est ce que nous sommes là, la matière baryonique comme on l'appelle, elle est là. C'est dans ce lieu dont on est constitué. Donc, certains aspects, peut-être de notre monde réel, à notre échelle à nous, peuvent être semblables, similaires à ce qui s'est passé il y a tellement longtemps. Et s'en inspirer n'est peut-être pas une mauvaise idée. Et je crois d'ailleurs que les cosmogonies africaines de jadis fonctionnaient dans ce sens que, comme cosmogonie, comme représentation des origines et de la dynamique de l'origine, ensuite, l'ensemble de la société était organisé par le principe de cette cosmogonie-là. Chacun avait un rôle à l'intérieur de la société en fonction de comment est-ce qu'on comprenait que le monde était advenu, se poursuivait et allait se poursuivre encore. Donc, moi je m'inspire de cela pour à la fois, nourrir ma curiosité et puis concevoir une action dans le monde aujourd'hui à partir de ces grands principes cosmologiques, énergie infinie, densité infinie, tout ce qui est du Big Bang, et ensuite la décohérence quand lumière et matière se séparent, et que notre monde advient au bout de 14 milliards d'années. Ouais, ça sert de s'occuper de mécanique quantique, de physique quantique. C'est pas vain. Et puis somme toute, quelque part, c'est stimulant quoi, pour le cerveau, pour les neurones. Ça permet d'entraîner. C'est comme un carburant, hein. Il y a des voitures qui roulent au gasoil, des voitures qui roulent super. Ah ben moi je roule à la physique quantique, quoi. Hein, comme carburant, comme combustible. Je peux t'interviewer? Oui. J'ai envie de t'interviewer. Vas-y. Tu peux rester là, hein? Oui. Ok. En fait, je voulais savoir ce que tu sais de Majorana. Je ne sais pas grand chose sur Majorana, si ce n'est ce que
Mais elle a travaillé sur quoi, juste? Comment dire? Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais de ce que je sais de ce domaine de la physique, qui est divisé entre plusieurs parties qui sont la physique quantique, c'est-à-dire la physique infiniment petite, et les théories de la relativité générale, qui sont les théories de Einstein, que Einstein a énoncées pour essayer d'unifier la physique de l'infiniment grand et la physique de l'infiniment petit. Et Majorana, ce que je sais, était à cette période-là, de ceux qui ont travaillé sur la physique quantique, c'est-à-dire la physique de l'infiniment petit. Je ne sais pas si elle a travaillé seulement dessus ou si elle a travaillé sur autre chose, mais c'est ça en fait. Donc il n'y a pas grand-chose à comprendre de très précis, sinon l'aspect général qui est que à cette période-là du monde, beaucoup de gens travaillaient justement sur ces deux aspects de la physique de l'infiniment petit, la physique de l'infiniment grand. Et il y en a justement qui ont essayé de trouver des lois, des règles qui peuvent s'appliquer aussi bien à l'infiniment petit qu'à l'infiniment grand. Et ce sont les questions qui se posent jusqu'à aujourd'hui dans la physique, c'est comment trouver des règles qui puissent expliquer les phénomènes qui se passent à de petites échelles comme à de grandes échelles. Et c'est des choses sur lesquelles il a aussi travaillé. Pour dire une chose de Majorana d'ailleurs, c'est que il a toujours été réticent à publier. Une fois ou deux, Fermi l'a contraint à publier des textes, mais il était plutôt du genre réservé, pas savoir pourquoi. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire un film sur lui, c'est-à-dire que comment quelqu'un peut être aussi puissant du cerveau, aussi brillant, et refuser en même temps d'être visible, on va dire sur la scène mondaine. Les quelques biographes, enfin ceux qui écrivent autour de lui disent qu'il était un peu introverti, mais ce serait peut-être le propre des génies, j'en sais rien. Mais cette figure me passionne énormément, énormément. Par son destin singulier, très très singulier. Est-ce que vraiment ça te fascine ou tu t'en fous un peu? Ce qui me fascine, c'est le fait justement de n'en avoir pas entendu parler avant. C'est ça qui m'interpelle parce que ça aurait été un physicien comme les autres qui a laissé de nombreux ouvrages, de nombreuses publications, de nombreuses théories qui ont été reprises comme un Einstein. J'en aurais entendu parler depuis. Mais ce qui m'interpelle, c'est de savoir pourquoi est-ce que je n'en ai pas entendu parler pourtant, quand même, à cette période du début du siècle dernier. La plupart des physiciens qui ont marqué cette époque-là, j'en ai plus ou moins entendu parler à un moment ou à un autre. Majorana, pas vraiment. C'est ça qui m'a interpellé. Et à ce moment-là, ça me suscite une certaine curiosité. Je me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'entend pas parler, qu'est-ce qui est advenu de lui, et qu'est-ce que le monde aujourd'hui garde de lui. Donc ça ne me dit pas rien, parce qu'il possède à lui-même, en dehors de ses travaux, en dehors de ce qu'il a fait avec les physiciens, son histoire à lui-même est assez intrigante. Le Majorana, il a disparu. Peut-être qu'il est revenu dans son monde, quand il est arrivé en Italie, qui sait d'où il venait. Peut-être qu'il est rentré chez lui, d'où il venait, dans un autre monde, dans un monde de sorciers, où aujourd'hui, il opère sans qu'on le voie. On pourrait imaginer un film où le Majorana élucide une enquête dans laquelle il est question de la sorcellerie avec des méthodes de la mécanique quantique. Ou comment est-ce que les sorciers d'ici aujourd'hui nous aident à retrouver l'endroit où Majorana est parti? Où est-ce qu'il a disparu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc tout ça l'un dans l'autre en termes d'imaginaire et de construire du rêve à l'aune du 20e siècle, du 21e siècle, pardon. Je pense que ça vaut le coup de rapprocher ces aspects-là les uns
l'un de l'autre. Parce que ça parle de dimensions, je répète, de dimensions peu ordinaires. Ça n'a rien à voir avec le jardin où je me trouve et ce qui se passe dans la rue à côté, les motos qui passent, etc. Voilà le lien pour moi entre Majorana et la sorcellerie. C'est un lien complètement dans l'imaginaire, mais parce que l'imaginaire est aussi fort que la réalité, sinon plus fort que la réalité, et nous permet en tout cas d'entrevoir la réalité avec une meilleure définition. Donc, télescoper le paranormal africain au sens classique et l'énigme Majorana et la physique quantique me semble complètement pertinent pour un cinéma du 21e siècle, sachant qu'il y a eu le 11 septembre et que nous ne sommes plus à l'ère des effets spéciaux. Quoi. Il faut penser à autre chose. Et la physique quantique peut nous aider à penser à un cinéma, tout comme la sorcellerie. Et une énigme comme la disparition de Majorana peut tout à fait donner le lieu, être le lieu d'un film policier. Où est passé Majorana? Leonardo Scassia, l'écrivain italien, a écrit un livre dessus. Bon, on l'a massacré, parce qu'il racontait, semble-t-il, à peu près n'importe quoi. Mais le cinéma, si ça fonctionne de faire rêver, peut se réemparer de Majorana et d'amener une enquête. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il est passé dans un trou de verre, hein, comme on dit dans la mécanique quantique? Où est-ce qu'il est passé? Et le Cameroun, quelque part, parce que le Cameroun semble aussi être une espèce d'énigme, hein, peut-être géologique, et que, évidemment, est-ce que cette énigme pourrait retrouver justement Majorana quelque part? Bah, je veux dire que ce pays, il suffit d'aller au sud du Cameroun pour s'apercevoir que, entre Ebolova, Kribi, Campo, etc., au cœur de la forêt, il y a un. C'est pas une énigme, je veux dire, il y a une telle masse de matière minérale, comme le monolithe d'Aquacas, que quand on regarde la géographie, on s'aperçoit que la fracture du continent initial, qui a créé d'un côté l'Amérique latine et de son côté l'Afrique, se joue dans le sud du Cameroun, à Campo. Et que dans cette région-là, on trouve quelques anomalies magnétiques qui peuvent permettre à un cinéaste de rêver, à un romancier de rêver. Et on peut utiliser cette possibilité-là en termes de fiction pour imaginer qu'on retrouve Majorana. Comme je disais, quelque part dans un village, tel que de blanc qu'il était, il est devenu noir, à trop savoir, à la faveur de la faille magnétique, de l'anomalie magnétique, etc. Mais le Cameroun est un endroit que pour beaucoup de gens, d'abord c'est une énigme, on va dire, historique. Comment se fait-il qu'un pays avec autant de richesses continue d'être aussi pauvre? Je veux dire, tout le monde s'interroge sur cette affaire-là. Maintenant, au-delà de ça, ce thème d'une anomalie magnétique dans le sud Cameroun, ce thème d'une masse minérale présente, et mettre dans tout ça le Majorana, ce qu'il est devenu, ce qu'il n'est pas devenu, où est-ce qu'il est passé, les sorciers, la physique quantique, dire, il y a suffisamment d'éléments là-dedans pour fabriquer quelque chose qui serait un film, puisque le cinéma s'est rêvé. Et moi, j'aimerais assez imaginer qu'on puisse le faire, quoi, parce que là, effectivement, il y aurait de quoi transporter les gens ailleurs, loin, les faire rêver pour de vrai, quoi, et inventer un cinéma ou réinventer peut-être le cinéma. Je ne sais pas si c'est la fascination du génie, mais je crois que c'est surtout d'abord la curiosité qui est au centre de tout ça, et la curiosité amène forcément à aller vers des gens qui ont tendance à satisfaire notre soif de connaissance qu'est la curiosité. Donc je crois que c'est la personne curieuse qu'elle repère qui s'intéresse à des différents domaines doit tendance à s'intéresser.
je remets en 1908 les contemporains, il y avait Wolfgang Pauli, un des, on va dire, l'initiateur même de la mécanique quantique. Il y avait Werner Heisenberg, qui lui est resté avec les nazis, lieu de fuir comme quelques autres. Il y avait Enrico Fermi, un des Paul Dirac, qui a eu un prix Nobel. Fermi aussi a eu un prix Nobel. Et puis Pierre et Marie Curie en France. Et ouais, Carl Anderson. Qu'est-ce que je pourrais citer encore? Niels Bohr, tiens, ouais, Niels Bohr, à Copenhague, avec le modèle de l'atome. Et le Coincidentia Oppositorum, c'était le blason de Niels Bohr. Et l'école de Copenhague qui a mis au point le modèle de l'atome qu'on connaît aujourd'hui, avec les électrons qui gravitent autour. C'est vraiment les débuts de la physique quantique. Le siècle dernier, 1900, 1910, 1915, et Einstein va avoir son prix Nobel de physique en 1915, donc, alors que Majorana est encore en train de grandir, et au début encore, liée à la mécanique quantique, a fait un tel chemin, mais elle continue de progresser, elle continue d'évoluer, et on ne le redira jamais assez pour l'ensemble de ces physiciens. Il s'agit véritablement d'arriver à réconcilier l'échelle des galaxies, des supergalaxies, des quasars et des grands corps qu'il y a dans l'univers avec l'échelle de 10 puissance 9.5 du côté du mur de Planck ou de la sphère de Planck, là où on ne voit plus rien. Entre-temps, on a beaucoup dit, on a beaucoup trouvé, beaucoup cherché, et Étienne Klein, Michel Cassé et quelques autres sont des experts en ce qui concerne les trous noirs, ces fameux objets d'où ne part aucun signal parce qu'ils résultent de l'effondrement d'une étoile, d'un corps céleste. Et c'est amusant de penser qu'à la surface d'un trou noir, une toute petite étoile peut peser des tonnes. Vous dire le niveau de densité infini qu'il y a sur ces objets-là. Et c'est tout c'est d'apparents paradoxes. Même pour les physiciens professionnels, ça a toujours été des paradoxes. Mais je crois que c'est cette paradoxalité qui les a fascinés et qui les a amenés à plonger, à continuer, à s'enfoncer plus avant dans cette quête. Parce que c'est une quête. Et cette quête aussi, par certains moments, elle ressemble à une enquête. C'est-à-dire comme des détectives qui trouvent des indices. Et Majorana était justement un de ces grands enquêteurs-là. Ce qui est secret de tous les temps, pour le redire, c'est à quel point la puissance de raisonnement, c'est-à-dire que se servir uniquement de ses connaissances, de ce qu'on a appris, permet d'arriver à des intuitions géniales qui sont encore à l'autre jour d'idées. Et ça, il me rappelle à certains égards dans un autre champ, il me rappelle le mathématicien français Variste Galois, qui est un des grands noms du calcul intégral et qui est mort à 22 ans dans un duel. Aujourd'hui encore, on travaille avec les équations de Galois, c'est-à-dire un génie également. 22 ans d'histoire, il monte dans un duel. Donc moi, tous ces gens-là m'intéressent pour leur contribution à l'épanouissement, on va dire, du cerveau humain. Parce que somme toute, là-dedans, là, c'est la machine la plus complexe que le vivant ait pu inventer. Et pourtant, s'en servir plutôt que de ne rien faire avec ça. Faire du cinéma avec ça, faire de la musique avec ça, écrire avec ça, faire de la peinture avec ça, faire de la sculpture avec ça. Éventuellement aussi tendu le développement d'un pays, ça veut dire penser. Des pensées fort. Avoir de véritables visions avec cet engin-là, le cerveau. Il a eu la chance de lire très tôt.
et de lire des choses compliquées très tôt. Parce que son père avait des choses compliquées, des lectures compliquées lui aussi. Et en lisant les lectures, les journaux que son père avait à la maison et des livres à gauche à droite, ça a suscité justement la curiosité. Parce que quand tu tombes sur des choses que tu ne comprends pas, surtout tout petit, je crois que le réflexe des enfants, c'est souvent de comprendre comment les choses fonctionnent. Et plus tôt tu te poses des questions sur comment les choses fonctionnent, plus tu cultives cette curiosité en toi, et plus quand tu grandis, tu as tendance à t'intéresser à diverses choses. Donc je ne pense pas que les gens ne s'intéressent pas, ont la volonté de ne pas s'y intéresser, mais je crois que ils n'ont peut-être pas la chance de tomber sur des choses qui vont susciter en eux ces questionnements. Je dis ça parce que justement papa qui parce qu'il a beaucoup lu, parce qu'il s'est posé des questions, parce qu'il a pu avoir des réponses aux questions qu'il s'est posées très tôt, il a emmagasiné des connaissances. Et vous verrez que n'importe qui au Cameroun, intellectuel, ceux qui se disent intellectuels, pas intellectuels, journalistes, pas journalistes, élèves, étudiants, commerçants, bêtiseurs, il suffit que parfois quelque part ils prennent la parole pour que n'importe qui l'écoute. Peu importe le sujet qu'il aborde. Ça prouve que les gens, il suffit justement qu'on leur parle de certaines choses pour qu'ils s'y intéressent. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas la volonté de s'y intéresser. C'est vrai aussi que le contexte fait en sorte que les gens ont d'autres soucis. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de travailler, les gens veulent pouvoir faire vivre leur famille, les gens ont besoin de s'amuser, et ainsi de suite. Qui peut-être relaient le besoin de connaissances au second, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième plan, je ne sais pas combien, à quel rang. Mais ce n'est pas pour autant que si on leur propose cette connaissance-là, ils ne la prendront pas. Peut-être qu'ils ne font pas faire la démarche même d'aller chercher la connaissance, mais je crois qu'ils ont besoin qu'on leur en propose. Oui, je disais, le Cameroun est une friche, mon Cameroun à moi, celui que j'aime, pour lequel je vis, pour lequel j'étais à l'école, etc. Et donc chez moi, parfois, quand on voit tout ça comme ça, je dis, oh, oulala, et la friche, nom de Dieu, oui, c'est une friche. À l'exemple de mon pays. Donc quand je sors, si je retrouve la friche, quand je rentre chez moi, je retrouve une friche. Je trouve assez cocasse tous ces gens qui ont des jardins, enfin cocasse, des jardins bien taillés, bien nets, tout ça, etc. Et puis qui sortent, quand ils sortent, ils arrivent dans une friche, quoi. Le Cameroun est en friche, comme l'ensemble de l'Afrique, de toute manière, l'ensemble du continent. Et donc une friche saurait difficilement être semblable à un jardin 4 étoiles ou à un lounge quelque part ailleurs sur la planète. Non, c'est un endroit où il faut se courber, où il faut se pencher, où il faut transpirer. Que ça cesse d'être une friche. Moi, c'est ce que je fais chez moi. Je fais ça. Le principe de la friche. À principe de la friche, tout le monde doit s'atteler à travailler, à faire que la friche devienne un champ cultivé, domestiqué, avec de quoi faire manger tout le monde à sa faim. Mais vraiment à sa faim, quoi. Créer la prospérité de tout le monde à partir de cette friche-là. C'est un petit peu à quoi. Moi, je pense qu'il faut vaquer. Ce serait ça le sens du mot développement de nouveau. C'est en finir avec une friche, la transformer en un véritable champ. Un champ, c'est H-A-M-P, mais en un champ aussi, c'est H-A-N-T. Un champ de joie, un champ de bonheur, un champ de prospérité. Et à ça, il faut que tout le monde s'attelle. Qu'on forme une équipe de jardiniers qui soit capable de vaquer à ça courageusement. C'est un boulot un peu ingrat, hein, c'est clair. De se pencher, de se faire piquer par des épines, de se salir les mains. On lui met de la main au cambouis, il suffit de mettre la main à la terre, quoi. Hein? Je la mets dans le cambouis, nous on la met dans la terre. Voilà. On peut s'occuper de physique quantique, mais également cultiver son jardin. Yeah. Est-ce qu'il faut lutter contre un système pour pouvoir imposer l'idée que la connaissance est l'outil qui va nous permettre de résoudre les problèmes des uns et des autres? Je ne sais pas. Les choses sont parties depuis un certain moment sur certaines bases. Et ces bases n'ont jamais été remises en question. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la façon
que nous avons de résoudre nos problèmes, telle qu'elle a été, telle qu'elle a été conçue par nos autorités, par nos institutions, n'a jamais été remise en question par ceux justement qui ont ce pouvoir de remettre les choses en question. Et c'est peut-être à ce niveau qu'est le problème. Parce que la connaissance en elle-même ne s'acquiert pas de manière, je veux dire, automatique. C'est parce qu'on a mis, on a organisé les choses pour que les gens puissent être cultivés, être capables de résoudre leurs problèmes, que la connaissance intervient. Notre pays, je ne sais pas si je ne vais pas me prononcer sur comment est le pays, je n'ai pas fait d'études sur comment est le Cameroun, mais je sais qu'on a visiblement un déficit de cette capacité à résoudre nos problèmes parce qu'on ne sait pas comment les résoudre. Donc c'est, on a ce problème-là. Et comment faire pour mettre ça en place? C'est bien évidemment le travail de nos institutions. Mais comme je le dis, si les institutions en elles-mêmes ne se remettent pas en question pour savoir est-ce que nous sommes sur le bon chemin pour pouvoir permettre aux gens de résoudre leurs problèmes, on revient encore au souci du questionnement. Je ne sais pas ce que les gens qui savent peuvent faire pour changer les choses. Ah bon? Ils ne peuvent que parler. Ils ne peuvent que parler et dire ce qu'ils savent. Oui, mais changer les choses, c'est aussi lors de la connaissance. Donc, si les gens qui savent ne savent pas, peu importe ceux qui ne savent pas, est-ce que savoir, du coup, ne devient pas, n'a pas une limite? Parce que si on sait, on sait aussi comment changer les choses, non? Non, mais savoir ne donne pas toutes les possibilités pour changer les choses. Je ne suis pas sûr, enfin, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que le fait de savoir donne toutes les possibilités pour changer les choses. Non, mais on peut savoir aussi comment changer les choses. Dans la liste des connaissances, la connaissance de savoir comment on change les choses fait partie du savoir, non? C'est pour ça que je dis, savoir comment changer les choses n'est pas tout ce qu'il est nécessaire pour pouvoir effectivement changer les choses. C'est-à-dire que la connaissance, le fait de savoir comment changer les choses, c'est déjà un début pour amorcer une action. Mais après, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, ça dépend de ce que tu veux changer. Mais dans le cadre d'un pays comme le nôtre, il faut maintenant avoir, je crois, les moyens, je vais dire les moyens physiques, en dehors des moyens intellectuels, les moyens physiques, que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens, je ne sais pas moi, logistiques, pour pouvoir maintenant utiliser. Parce que c'est ça aussi, c'est que la connaissance sert aussi à savoir quoi faire avec les moyens qu'on a. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je peux faire tout ce que n'importe quoi. Il va falloir que je sache d'abord faire telle chose. Et maintenant, je dis cet argent pour faire telle chose. Mais si je ne sais pas faire telle chose, je ne pourrais pas la faire, même si j'ai l'argent. Tu vois? Tout comme si je sais, par exemple, comment fabriquer une voiture, je peux le savoir. Mais si je n'ai pas les moyens d'acheter des tests pour fabriquer une voiture, je ne pourrais pas fabriquer une voiture. Mais tu parles des moyens physiques, mais le fusil fait aussi partie des moyens physiques en Afrique. Le fusil. Oui, la force. Ça fait partie des moyens physiques, comme pas seulement en Afrique, mais partout aussi. La connaissance, ça s'appelle diplôme, c'est-à-dire un bout de papier, un parchemin, une attestation que j'ai bien appris tout ce qu'on m'a demandé d'apprendre, j'allais dire, comme un perroquet. Les bibliothèques, il n'y en a quasiment pas. Alors, il paraît qu'il y a un centre de calcul à l'université à Yaoundé, mais il paraît aussi que le centre de calcul, il est, on va dire ça comment, un peu boiteux. Et de fait, il y a quelques années, j'y avais été faire un peu centre de calcul. C'était juste piteux et lamentable, et ça faisait mal au ventre de voir l'état un peu délabré. Ça s'est peut-être amélioré, mais c'est pas encore complètement au point.
la diplomite, cette maladie de notre pays, empêche, si je puis dire, l'épanouissement, l'éclosion d'une véritable connaissance. Parce qu'aujourd'hui, au nom du développement soi-disant, on commence à penser des formations diplômantes, ils appellent ça adéquation formation emploi. C'est-à-dire que, ok, parce que les entreprises vont avoir besoin de comptables, de juristes, de techniciens, etc., on va enseigner aux enfants ou à la jeunesse des métiers, on va dire, pratiques, des métiers utilitaires, pour qu'ils soient taillables et corvéables à merci. Mais de la connaissance en tant que savoir, connaître, savoir qu'est-ce que c'est que l'espace-là, savoir qu'est-ce que c'est que les profondeurs des mers-là. Je me souviens encore d'il y a quelques années, avec M. Monpleur, qui était un grand fonctionnaire, hein, devant un programme, je crois déjà Cousteau, au fond des mers, il disait, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher au fond des mers, les Blancs? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Curieux, hein, pour un haut fonctionnaire de se demander qu'est-ce qu'on va chercher au fond des mers. Et la connaissance, pardi, la curiosité. La connaissance n'a pas bonne presse chez nous. Elle n'a pas du tout bonne presse. On aime les gens diplômés, partout de diplôme, qui vont lier un doctorat, deux doctorats, trois doctorats, quatre doctorats. Mais de la connaissance même pure, la preuve, aller savoir combien est-ce que l'entreprise a un budget en recherche et développement, juste ça simplement, R&D, recherche et développement, combien d'entreprises ont un département comme celui-là et consacrera un budget à ça, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est aussi une des causes du sous-développement, c'est que l'ensemble des acteurs de l'économie ne se rend absolument pas compte à quel point on a besoin de connaissances dans ce pays pour inventer la prospérité. On a effectivement besoin de connaissances. On n'a pas juste à rester dans le champ d'un utilitaire au tout premier degré. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Si les autres ont inventé les écoles centrales, les polytechniques, le MIT et Stanford, ce n'est pas par hasard. Parce que tout ce que le monde fait aujourd'hui, il est aujourd'hui souvent, ça vient de Stanford ou bien de, comment tu appelles ça, du Santa Fe Institute dans le New Mexico, là-bas aux États-Unis, alors du MIT ou du laboratoire de Princeton, qui sont des lieux prestigieux, ceux de fabrique de prix Nobel. Mais ce n'est pas par hasard, c'est parce que la connaissance sert aux humains, à notre échelle à nous, modeste. Mais visiblement, dans un pays comme le mien, on a l'air de penser que non, mais la connaissance, c'est une perte de temps qu'ils ont l'air de dire. C'est un fait que vous m'apportez des gens un peu. Je me rends très bien compte que l'éducation que j'ai reçue et le milieu dans lequel je baigne, fait de mon père, de mon univers, c'est un univers qui échappe à beaucoup de gens dans mon environnement direct. J'ai presque envie de dire que j'ai souvent l'impression que je n'ai pas la même talent. Mais je ne me considère pas comme quelqu'un de forcément de chanceux. Parce que c'est l'éducation que j'ai reçue. Je ne sais pas encore à quoi ça va me servir pour dire que j'ai eu la chance d'avoir cette éducation, j'ai eu la chance de ne pas avoir cette éducation, je ne sais pas encore à quoi ça va toucher. C'est juste que ça a fait du mal à la personne que je suis. Ça a influencé les choix que j'ai fait dans ma vie, ça a guidé mes pas, ça a construit ma personnalité, ça m'a enrichi d'une certaine manière, ça m'a donné un certain nombre de. Ça m'a ouvert des voies, ça m'a ouvert des. Même si je n'ai pas soin, comme là on avait toujours à la question des mains, même si je n'ai pas soin les moyens de pousser les possibilités jusqu'au bout, mais je me suis au moins rendu compte de ce que je peux faire si j'avais les moyens, plus ou moins. Donc, est-ce que j'ai une mission? Si j'ai une mission, c'est une mission envers moi-même d'abord, parce que je crois que je suis aussi sur ma quête à moi. Je suis aussi quelqu'un de curieux, que ce soit au quotidien, que ce soit dans mes activités à moi. J'essaie de répondre, de trouver les réponses à un certain nombre de questions qui vont me permettre d'avancer sur le chemin, sur les différents chemins que je choisis. Ben moi, ce qui me fait croire, moi, c'est que d'abord, il faut croire, c'est-à-dire qu'il faut espérer.
l'espérance comme un principe. La religion chrétienne ne parle que de ça, le Christ ne parle que de ça, que d'espérance. Or ici, chez nous, on est surchristianisés, je n'ai vraiment pas l'impression que les super chrétiens qu'on a chez nous, et qui j'ai quoi que ce soit, au principe de l'espérance. Et le principe de l'espérance est celui de que le temps n'est pas une barrière, que notre finitude n'est pas une barrière, et que l'être humain est en devenir. L'humanité ne fait que commencer. Si on s'en réfère aux échelles, on va dire, astronomiques, l'humanité a commencé hier matin ou ce matin au plus tôt. Donc on est tout neuf dans l'univers en tant qu'espèce. Entre les 13,7 milliards d'années du Big Bang et les 4 milliards d'années de la Terre, il y a une sacrée différence. Et ça là, ça montre que l'espèce humaine ne fait qu'évoluer et que notre pays qui est dans le monde aussi, et ses habitants, et ses hommes et ses femmes, évoluent également. Et le moment que nous passons ne sera qu'un moment et qu'il va bien falloir, qu'un jour, émergeront des hommes et des femmes ambitieux, rêveurs, curieux, et qui rétabliront le climat de la connaissance. Aux époques initiatiques, il s'agissait bel et bien de connaissances. Le révérend Père Edgar, jésuite, formé donc à l'école occidentale, mais également au savoir traditionnel, expliquait comment le chemin initiatique consistait pour les gens d'avant à faire connaissance, littéralement, avec leurs cousins du monde végétal et minéral et animal. Pour nous aujourd'hui, à l'aune de l'école ou des sciences modernes contemporaines, il s'agit de faire connaissance avec l'univers, je le répète, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ça calme tous les ambitieux qui ne rêvent que de pouvoir et de domination, et ça peut redonner de l'espoir à tous ceux qui jusqu'à présent avaient l'impression que « oui, mais je suis rien dans le monde, mais je suis pas rien dans le monde quand je sais toutes ces choses-là ». Du tout. C'est pour ça que j'y crois. Non pas comme une croyance, comme on croit au Saint-Esprit, mais comme une espérance, voilà, un principe d'espérance. Que ça continue, et que rien ne se perd, tout se transforme. Même s'il y a de l'entropie aujourd'hui dans le monde, et pour beaucoup, ma foi, cette entropie-là, le fait d'agir, d'être un être humain, sert à la retourner. Je me sens un néganthrope, donc quelqu'un qui travaille au renversement de l'entropie. Les artistes sont des néganthropes. Oui, on peut les appeler comme ça. Tu fous de l'entropie par terre. Là, c'est ça. C'est dire non à l'entropie, c'est redonner de la place à du sens, à une forme de sens, à une qualité dynamique. J'y crois parce qu'il y a aussi des jeunes gens que je fréquente et qui prennent du plaisir à entendre parler de choses dont ils n'entendent pas parler à l'université ou à l'école ou à la radio ou à la télévision. Mes fils, mes deux garçons, je les ai, on va dire, élevés en leur racontant le Big Bang, en leur racontant les étoiles, en leur racontant la sphère de Planck, en leur racontant tout ça comme des lieux d'émerveillement, des lieux d'évasion, des lieux, mais aussi d'émancipation. Donc, quelle est ton activité? Tu fais quoi? Je suis musicien. Pourquoi tu souris? Parce que hier, tu disais que quand tu dis que tu es musicien, on te demande pourquoi tu t'intéresses aux autres choses. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que les gens avec sa fabriquer ce genre de choses?
moi je n'ai jamais cessé de me poser des questions. Même quand je me trouve avec moi à cette question, ça me pose d'autres questions en plus, et je me pose des questions. Ça n'a pas fait de des physiciens, certainement pas. Mais ça fait de des hommes qui savent des choses, qui ne sont pas des choses, qui ne sont pas des choses de l'idéologie. C'est une connaissance objective, vérifiable, et qui a le don de nous élever, de nous exaucer, et de nous tirer d'une immédiateté, parfois qui peut être contraignante, qui peut être asphyxiante, qui peut être coercitive, selon les endroits où on vit. La science et la connaissance libèrent. Comment dire ça comme ça? Comment dire ça comme ça? Ça libère. Ça désaliène. Carrément. Ça désaliène. Évidemment, ça désaliène. Ça peut faire également de ceux qui sont des connaissants des aliens. Je rigole, c'est un jeu de mots. Mais Michel Serres ne parle que de ça. Le brave homme. Longtemps méconnu, mécompris, mal compris de ses compatriotes. Michel Serres ne parle que de ça. Dans Ominescence, un très très beau livre paru en 2011, je crois. Hein, 2011, je crois à quel moment, mais Ominescence, un des derniers bouquins. Il s'agit d'ouvrir la connaissance, de la répandre, que nous devenions tous des sachants. Des sachants. Des gens qui savent. Qu'on sorte de l'ignorance. L'enjeu, c'est aussi, à partir de ces connaissances-là, de reformuler une présence au monde et de reformuler une philosophie de l'être au monde et donc, par contre, une philosophie de l'action et donc une politique. Tu veux lui poser une question? Je peux poser. Oui, vas-y. Par rapport au parcours qu'ont eu les gens que tu as mis comme
sommes le 26 août 2014. Il y a 20 jours, ça aurait été l'anniversaire d'un génie, Ettore Majorana, physicien italien disparu en mer au mois de juillet 1938, à l'âge de 32 ans, quelques saisons avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ettore Majorana, il a disparu un jour dans une mer. Est-ce que la mer ce jour-là était aussi agitée que celle qui est derrière moi? Je me suis souvent posé la question quand j'ai découvert son histoire. Je suis tombé sur cette aventure de ce génie comme ça en lisant des magazines scientifiques parce que je m'intéresse à la physique quantique, à la physique des particules, à la cosmologie, à l'astrophysique, bref, à toutes ces grandes questions concernant l'origine de l'univers. Et puis voilà qu'il y a cet Italien brillant que son maître Enrico Fermi comparé aux plus grands physiciens, comparé à Galilée, comparé à Newton, et dont les intuitions aujourd'hui sont encore à l'ordre du jour à travers quelques expériences qui essayent de comprendre quelle est la nature exacte d'un neutrino. Le neutrino, c'est une particule élémentaire comme il y en a une famille entière, sauf que les neutrinos sont les témoins privilégiés de comment est-ce que l'univers a commencé il y a 13,7 milliards d'années-lumière. Ce n'est pas rien de se demander où est-ce qu'il est passé, Majorana. Et moi, comme Africain, depuis que je lis cette aventure-là, depuis que je connais son histoire, je me demande toujours, enfin, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il a vraiment pris ce bateau ce jour-là? Est-ce qu'il a pas pris ce bateau? Est-ce qu'il est tombé en mer? Est-ce qu'il n'est pas tombé en mer? Est-ce qu'il est descendu quelque part? Est-ce que par hasard même, l'arme nucléaire des Pakistanais, des Iraniens, ce ne serait pas lui qui leur aura apporté à partir de 1936? On ne sait pas où est passé Majorana. Une énigme insoluble toujours à ce jour. Il y a eu des hypothèses. On a même pensé à un moment donné que Majorana avait vécu en Argentine. Donc, on peut aussi imaginer que Majorana a dérivé à bord d'un canot pendant un an, deux ans, qu'il aurait été recueilli et qu'il serait peut-être arrivé ici en Afrique. Après tout, pourquoi pas? S'agissant de la structure de la matière à laquelle il travaillait, il y a des questions qui se posent ici aujourd'hui, quand les sorciers parlent d'aller d'un endroit à un autre, etc., de vol de nuit, il s'agit aussi de structure de la matière. Et moi, il m'arrive d'imaginer comme ça là que Majorana est quelque part par ici, qu'il a vu quelque part par ici, qu'il a rencontré quelques-uns de nos sorciers ou so-called sorciers, et qu'ensemble, ils se seraient mis à travailler. Mais à travailler à quoi? Quand on voit l'état dans lequel aujourd'hui est notre pays, donc on peut tout à fait concevoir aussi que quelque part ici, Majorana est planqué depuis tant de temps, on pourrait peut-être le voir réapparaître un jour, qui s'est réincarné dans l'esprit d'un jeune Africain qui serait brillant en mathématiques ou en physique, et que dans un an, dans deux ans, dans pas trop longtemps, on va voir éclore un brillant physicien africain, camerounais en l'occurrence, qui serait la réincarnation d'Ettore Majorana. Il y a quelque temps, Etienne Klein, grand chercheur du CEA à Saclay, a écrit un beau bouquin sur lui en cherchant Majorana. Évidemment, dans son livre, Étienne Klein ne s'intéresse pas seulement à Majorana, il traite de tout ce qui touche aujourd'hui aux grandes questions du modèle standard, une physique qui est peut-être bon d'être revue. Il y a quelque temps, on a enfin découvert le fameux boson de Higgs, le boson de Dieu, celui qui fait que, selon qu'il existe ou qu'il n'existe pas, la physique ne sera pas la même. Il y a deux ou trois ans déjà, on est en 2014, il y a quatre ans déjà, etc., oui, le plus grand accélérateur a démarré au CERN à Genève, histoire de percer les secrets de l'univers, de l'origine de l'univers. On a réussi à créer, pas vraiment un Big Bang, mais un petit Big Bang, quelque part à la frontière suisse, franco-suisse, avec ce grand accélérateur, le LHC. Alors, ces questions sont des questions d'actualité, et il est extrêmement dommage que, ici, chez nous, aujourd'hui, on ne puisse pas permettre à des jeunes garçons, à des jeunes filles, à des Camerounais ou des Africains en général, de s'intéresser à ça, parce que Dieu se sait si l'esprit voyage. C'est extrêmement enrichissant de pouvoir envoyer son esprit jusqu'à des distances aussi considérables que 13,7 milliards d'années. Et moi, depuis que je suis adolescent, on va dire, l'origine de l'univers, la symétrie, les quarks, les électrons, etc., toute cette faune-là corpusculaire de la physique quantique fait partie d'un imaginaire avec lequel je joue les soirs de pleine lune et les soirs de pas pleine lune. Parce que dans le monde ordinaire,
imaginaire de la réalité, il n'y a pas beaucoup d'enchantement. Mais de l'enchantement, il y en a par contre véritablement à jouer avec ces notions-là, de la physique quantique, de l'astrophysique et de la cosmologie. D'ailleurs, il faut dire que toutes les cosmogonies africaines nous parlent de l'espace, nous parlent du ciel, nous parlent de planètes, nous parlent d'astres. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette connaissance est réservée simplement à quelques initiés? On pourrait imaginer que dès la classe de 6e, de 5e, dès l'école primaire, on apprend les étoiles au monde, on enseigne la cosmologie aux enfants. Puisque les cosmogonies d'avant en Afrique enseignaient le ciel et l'espace. Pourquoi est-ce que des gens comme Majorana sont imaginés dans des livres ardus, épais, que personne ne peut lire, alors que beaucoup d'enfants ont l'imagination fertile, seraient complètement ravis de découvrir que, ah ben, figurez-vous que, au moment même où vous êtes assis là, il y a des milliers de neutrinos qui pleuvent sur Terre. Sauf qu'on ne sait pas encore les saisir et que désespérément, on cherche à attraper des neutrinos qui sont, je disais tout à l'heure, les premiers témoins de l'univers. Trying to reach Christopher Gray Casting Company in Hollywood, Los Angeles. Yes? Is it Chris? Hi, Chris. This is Jean-Pierre Bécolo. Yes, it's been a long time. Yes, I'm in Cameroon, yes. Yeah, Chris, you know what? I'm trying to get hold of you because so I've been trying to reach you because we have a problem here. You know, we're trying to make a movie with some A-list Hollywood actor. Yeah? Yeah, male actors. But I just want you to know that we have no cash. You know, this is Africa. You know, Africa has no cash. But we kind of trying to work out, figure out a way to pay you guys with what we have, meaning raw material, you know, gold, diamonds. Yes, I mean, that's wealth. So yeah, we rich, you know, but we broke. So I just want you to try to inquire with some of these A-list actors who would be willing to work with us, who would accept to be paid with gold, and diamonds. Yes? Yeah, we've located already the minerals. We're working with a small community in the south of Cameroon called Akomdu. Yes, but the thing is that we will get the gold and the diamonds, no problem. But we want to make sure that the actors will be willing to accept that form of payment. Yes. Yeah, we need people like Brad Pitt, you know, with George Clooney. You know, these people who have this kind of social engagement, connection with Africa, maybe, but they'll get paid. Everybody will be paid that way, including cinematographers, you know, in case they come from LA, including yourself, Chris. Yes. Yes, I'm a producer for sure, yes. You know, I hope I'll have this, there'll be enough gold and diamond left for me, you know. Yes, but it's a big film. It's not just like a usual African film because the lead role is actually based on a biography of this Italian scientist called Ettore Majorana, who disappeared, I think, in 1938 at the age of 32. Yes. Yes, there's this crazy guy here called Lionel Manga, who's been really passionate about the guy, and is willing to really develop that story, so that we produce this film. Actually, he's seen some connections between what happened here in Cameroon with Ettore Majorana. Meaning, for example, he thinks about witchcraft associated with quantum physics, yes. Something kind of complex, but hey, he's a great mind. So the whole point for us is to make sure that we have an A-list actor who's willing to join us on this project.
Yeah, I know, but you know, it's we need to reinvent everything here. You know, we need to reinvent even the way we make movies. We need to invent even the money. You know, it doesn't make sense for us to be sitting on all these gold and diamonds and coming down there in the U.S. looking for U.S. dollars. You know, we can just pay directly people with this. You know, it's valuable. It's value. You know, we need to break the rules. We need to kind of invent things. You know. Yeah. Okay, Chris, please get back to me as soon as you know, but we're working on getting more gold and more diamonds for you guys. Thank you very much, Chris. Thanks.